Ce lundi du 3 mai jusqu'au 4 mai 2021, le ministre de la Communication, des Technologies de l'Information et des Médias, sous la direction générale du TIC, Technologies de l'Information et de Communication, en partenariat avec le secrétariat exécutif de Technologies et de l'Information de la Communication, a organisé un atelier sous le thème Table ronde sur la redynamisation des cellules de TIC et de la plateforme du système du gouvernement Comgov. Après la prière et la chanson de l'hymne national, le secrétaire permanent du ministère, Anissé Nyonguru, a commencé par présenter la parole à la place de Madame la ministre de la Communication dont il a représenté, suivant le secrétaire permanent du ministre. De prime abord, qu'il me soit permis de remercier le bon Dieu, Tout-Puissant, pour la grâce qui nous convient d'être présents et bien portants ce matin. C'est pour moi un grand honneur et un réel plaisir de prendre part à cette séance de la table ronde des membres de CBTIC organisée dans le but de redynamiser les CUTIC des institutions publiques. Qu'il me soit permis de remercier toutes les personnes ici présentes qui ont répondu à cette invitation, ô combien importante vu la pertinence des sujets qui vont être traités lors de cette table ronde. Qu'il me soit permis de remercier tous vous tous, pour non seulement être présents, mais d'être venus avec des énergies qui vont permettre au TIC, à cette technologie de l'information, de communication au Burundi, de prendre un autre élan. Mesdames, Messieurs, au cours des deux dernières décennies, des milliards de personnes dans le monde entier ont bénéficié de la croissance exponentielle et de l'adoption rapide des technologies de l'information et de la communication. Le gouvernement du Burundi, conscient de l'apport des TIC dans la vie publique et privée pour développer le développement intégral du pays, a élaboré les politiques et stratégies et des programmes visant la mise en œuvre de la politique nationale TIC. Je citerai le projet RCIP2 qui a contribué à l'implantation et l'exploitation du réseau national à fibre optique, le réseau de communication gouvernementale, COMGO, etc., etc. Mesdames, Messieurs, lors des retraites gouvernementales, il s'en est sorti des recommandations envers notre ministère. Nous instruisons de tout mettre en œuvre, de tout faire pour accompagner le gouvernement dans son nouvel ère. La séance d'aujourd'hui vient dans le cadre de répondre à cette instruction de la plus haute autorité de l'État ainsi qu'aux missions qui sont assignées au ministère de la Communication et Technologie de l'Information et des Médias. Parmi ces missions, on peut citer notamment concevoir, promouvoir et exécuter la politique nationale en matière de communication et des technologies de l'information, promouvoir le développement des communications électroniques et assurer la mise en œuvre d'un cadre juridique et afférent en collaboration avec les ministères concernés. Assurer en collaboration avec les autres ministères concernés la promotion, le suivi et la mise en œuvre des TIC et proposer les programmes et formations conséquents. Coordonner avec les services compétents des autres ministères concernés, le développement des programmes et des structures de formation spécialisées dans le domaine des TIC. Et enfin, suivre les questions et programmes
de développement des infrastructures et applications TIC. Voilà les quelques missions qui sont en fait confiées au ministère dans son domaine. En se basant sur ces missions donc, et sur ces recommandations de la plus haute autorité de l'État, il s'est avéré nécessaire de collaborer avec tout un chacun, car les TIC sont transversaux, ou transversaux, ce sont des techniques transversales. D'où la création des cellules TIC dans toutes les institutions publiques que vous avez représentées aujourd'hui, et ainsi redynamiser le réseau de communication gouvernementale pour son exploitation efficace. Mesdames, Messieurs, cette séance a pour objectif la prise de contact et la mise en place d'une feuille de route pour instaurer un cadre de collaboration entre les différentes institutions. Et ce cadre-là, ça vient à bon nom. Je lance un appel vibrant à tous les participants de bien collaborer avec l'équipe technique du ministère qui a organisé cette table ronde à votre attention, pour que vos contributions puissent aboutir à un accompagnement et à une coordination efficace dans la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de technologie de l'information et de la communication. Avant de clore mon propos, mon souhait est que ces travaux qui vont se dérouler ici peuvent marquer un point de départ pour une bonne collaboration entre les institutions publiques présentes en vue d'accompagner notre pays dans cette ère du numérique. C'est sur ces mots que, au nom du ministère que je représente et au nom de Madame la ministre que je représente, je déclare ouverts les travaux de cette table ronde des membres des CMTIC des institutions publiques. Je vous remercie. Rosine Gilène Gattoni, directrice générale de la technologie et de l'information et de la communication. L'une aussi des présentateurs a présenté le sujet relatif aux technologies de l'information sous l'objectif la politique nationale de développement des technologies de l'information et de la communication du Burundi depuis 2010 jusqu'à 2021. Suivons aussi la directrice générale du TIC. Le ministère de la communication, des technologies de l'information et des médias organise cette table ronde à l'intention des TIC dans toutes les institutions publiques, tous les ministères qui étaient ici représentés, les chargés des services TIC dans la superstructure, afin de redynamiser ces cellules dans le cadre des missions du ministère, mais également des orientations de la plus haute autorité. Alors, nous savons bien qu'à l'ère actuelle, l'ère du numérique, la digitalisation via la numérisation des services institutionnels, des services aux citoyens, des services internes ou bien externes est une urgence. Le fait que nous sommes actuellement au siècle numérique, ce n'est pas un cas isolé pour le Burundi, mais le monde entier est tourné et noyé vers la numérisation. Alors, c'est une occasion d'interpeller, de renforcer des cellules TIC dans toutes les institutions, tous les ministères, afin de permettre une meilleure suivi, coordination des projets TIC au sein de toutes les institutions. Cet atelier également est une opportunité de partager encore et de permettre aux différents points focaux TIC de s'approprier de la politique nationale de développement des TIC, une politique qui va de 2010 à 2025 et qui touche tous les aspects socio-économiques du pays. Donc c'est une politique, c'est un secteur transversal où chacun, en ce qui le concerne, dans les différentes attributions
de telle ou telle autre institution doit veiller à ce que l'aspect numérique soit intégré dans les projets ou dans les services offerts aux citoyens. Alors, c'est une continuité, ce n'est pas une première de mettre en place les cellules TIC, mais au fur et à mesure, nous savons bien que avec la structuration du gouvernement, avec l'ère de la convergence, avec les développements des besoins qui s'annoncent du jour au lendemain, avec la vitesse, je dirais, exponentielle du développement des technologies de l'information et de la communication, il est urgent de s'adapter et d'aller, de suivre ce rythme-là. Alors, il y a différents ministères qui n'étaient pas dotés de certains points focaux. Il fallait mettre à jour encore la base de données des points focaux TIC. Il y a des ministères également qui en disposent, où c'est un avantage pour les renforcer. Mais dans quels que soient les cas, entre ceux qui n'en avaient pas et ceux qui en avaient, c'est une opportunité de les mettre en place pour les ministères qui n'en disposaient pas, mais également de les interpeller à être renforcés, et pour celles qui existaient, de coordonner et de nous donner un autre élan avec un seul objectif qui vise la mise en œuvre de la politique nationale des développement des TIC, dans l'atteinte, bien entendu, de l'objectif et de la vision du plan national de développement qui place le secteur du numérique comme levier du développement socio-économique. C'est une opportunité également de faire connaître à tous ces points focaux, de vulgariser le potentiel en matière des TIC, l'infrastructure qui est présente, les services et autres, afin que tout un chacun, en ce qui le concerne, puisse tirer profit et exploiter ce potentiel qui a été mis en place par le gouvernement, afin d'accélérer la digitalisation. Nous vous informons que les invités pour cet atelier sont des points focaux du TIC dans les différents ministères. Merci pour votre aimable écoute.